Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de ma saison 2 sur le jeu Age of Mythology Extended Edition. Oui, c'est ça, c'est bien Extended Edition. Donc avant qu'on me fasse toute remarque à ce sujet, oui, j'ai changé de casque par rapport à la dernière fois et même par rapport au Let's Play d'avant, tout simplement parce qu'en fait mon casque est mort, ça faisait 7 ans qu'il était là. Du coup, j'ai emprunté un casque pour la dernière fois et là c'est mon nouveau casque, c'est un HyperX Cloud Alpha, donc un bon casque d'entrée de gamme, un truc pas mal, voilà. De même, je suis un petit peu obligé de faire cette vidéo en avance parce qu'au moment où vous la verrez, je serai sans doute sans domicile fixe en fait, parce que j'ai des petits problèmes d'appartement et de déménagement. Du coup, je suis un petit peu dans la panade et il y a des moments où je pourrai pas faire des vidéos. Et ça sera un peu le cas au moment où vous verrez cet épisode. Donc, si j'ai pas pu régler les problèmes que vous avez notés ou quoi que ce soit dans la dernière vidéo, c'est normal. Pour l'instant, je suis un petit peu dans la galère. Mais on va pas tergiverser plus longtemps, on est parti, on va reprendre cette histoire de nain qui essaye de faire un truc, et il y a un type derrière qui fait un peu le bordel, hein. On dirait qu'il fait un petit peu n'importe quoi, qui s'amuse avec les nains pour essayer de leur faire faire quelque chose. Donc, nous sommes partis. Battez-vous à la forge. The old man was right. Ikri's already here. Get to the forge. That youngster won't beat me. Ikri has captured the forge. Ah. D'accord, capturer la corne d'abondance avant qu'Eitri ne puisse... Ok, d'accord. Très bien. On va commencer par construire ça. Donc j'ai qu'un seul quart d'heure pour aller là-bas en fait. Wesh, pas trop cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, on est dans une grotte et il y a de la forêt, c'est totalement normal. D'accord, ok. Donc on va pas avoir trop le choix, il y a des poissons. Et comment on peut les récupérer les poissons? On peut pas... Évidemment non. Alors, bon. De l'or, on va mettre ça ici. Est-ce que je peux construire un port? On va construire. Alors comment je vais les récupérer? Je suis en train de me faire... Ah merde! Ok. Alors attendez, en termes de... C'est un peu le bordel là. Alors, on va mettre des maisons. Déjà, on va commencer par des maisons. Je vais essayer de regrouper mes unités militaires. J'ai pas beaucoup de temps. Ça va me faire chier. J'ai clairement pas beaucoup de temps du tout. Donc on va bien essayer de se débrouiller. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Pourquoi je peux rien mettre là? C'est particulièrement emmerdant parce que... Ouais, c'est en train de disparaître. Comment je vais me débrouiller? Sachant que j'ai pas vraiment besoin de nourriture en fait. Si, j'ai besoin de nourriture. Ah, c'est chiant. On va peut-être avoir besoin d'une maison communale aussi. Plus que 13 minutes. Bon, j'ai vraiment pas le temps. Alors... Et j'arrive pas à me décider sur ce que je dois faire. Très bien. On va attendre que ça soit fini. De toute façon, dans tous les cas, hop. On va faire quelques nains supplémentaires quand même. J'en avoir besoin, je pense. Alors, maison communale terminée. Donc je fais des Huskarls moyens, lanceurs de hache moyens et des Hersir. Ça prend de la pop. Ça coûte cher, ça coûte tellement cher en bois, tout ça. Bref. Et est-ce que quand je fais ça, ça veut dire qu'il va aller récolter du poisson? Pas du tout. Comment ça marche?
Comment ça fonctionne? Parce que je suis juste un petit peu en retard. On va en faire 5, vous savez quoi? 5 de chaque. Donc là, il y a des Hersir, des Ritnar, une unité mythique lente, sonne le corps pour remonter le moral, puissante contre les bâtiments. C'est les géants, c'est pas mal aussi. Donc je vais en faire un au moins. J'ai pas du tout assez de bois. Normal, c'est un peu loin. Aïe aïe aïe. Bon, tout ça me dit pas comment ça fonctionne, ces histoires de poissons. J'aimerais bien en récolter, mais il semblerait que j'ai pas trop le droit. J'ai pas le droit en fait. Ah, pff. Ok, d'accord, c'est bon. Je suis ce qu'on appelle un crétin dans le jargon. Donc là, il y a des Hersir qui se ramènent et on se fait défoncer. Pas trop ce qu'ils ont recherché là en fait, parce que bon, j'étais un peu au milieu de rien, pas se le cacher. Donc, le port, on va faire 2 navires de pêche, commencer par ça. Ensuite, on va regrouper tout ça. Attaque en moyen. Ok. Peut-être qu'avec ça, on pourra déjà commencer à faire quelque chose. Sachant que j'ai pas mis le jeu en très difficile, normalement, ça devrait à peu près passer. Au moins une partie, en tout cas. J'ai des villageois qui foutent rien. Ah, d'accord. C'est bon. Normalement, ça devrait aller. J'ai pas beaucoup de nourriture. Peut-être bourrer un peu plus. Je vais améliorer un peu tout ça, c'est vrai que j'ai pas fait du tout d'amélioration. J'ai fait 0 amélioration physique sur mes persos. On va faire une armurerie, je pense. Je pense qu'on va attaquer quand il restera 5 minutes. Ça me laisse encore un peu de temps pour faire des améliorations. Bon, ok, je crois que là j'ai pas trop le choix, on va devoir attaquer, hein, tant pis, j'ai pas fait de vrai gros groupe. Putain, qu'est-ce qu'il foutait là lui? Pourquoi je peux pas attaquer? J'appuie pourtant sur A, d'accord. Je sais pas. Bon, allez, hop, on va avancer. Je comprends pas. De temps en temps, je peux pas utiliser le clic. Ah bah voilà, si, je peux utiliser maintenant. Donc là, faut qu'on y aille. Je sais pas par où. On va. Ah bah ça a l'air d'être par là, hein. J'ai fait la technique du on appuie quelque part et ça a l'air de passer. Et je suppose qu'il va falloir tenir cette corne d'abondance. Ça va pas être aussi simple évidemment. On va casser ça histoire de... Voilà. Alors, débrouillez-vous, je veux éliminer ces unités le plus vite possible. Bien. Pourquoi ces unités-là ne sont jamais gelées alors que les miennes sont toujours gelées quand je tape des géants de givre? À un moment, il va falloir m'expliquer. Cette discrimination envers mes unités à moi. Alors de ce côté là on va refaire des unités parce que je sens que ça va être la galère. Ah, je crois que je suis au maximum en termes de... Bien, c'est ça, il faut tenir pendant 10 minutes. Et ben on peut pas faire de... Commencer par faire ça. J'allais dire, on peut pas faire de... Comment ça s'appelle de...
le tour de guet, faut croire que je dois pas avoir le bon âge. Ouais, sauf que 1000 de nourriture, j'ai un petit paquet de... Je vais mettre un petit paquet de temps avant d'y arriver à ça. Du coup, pas tout de suite. Alors. Excusez-moi. Ça devait sortir. Oula, oulala. Mais pourquoi ça marche pas? Bon, il se débrouille, mais... Ok, donc ça va être fini. Le fort de la colline est très pratique parce que ça va me permettre d'avoir un petit peu... Ah! Maintenant, il faut que je fasse le port aussi. Faut que je fasse le port parce que sinon ça va pas bien marcher. Ça attaque encore. Il va falloir que je fasse des maisons aussi. Là, il va falloir que je les regroupe plus proches. Parce que je suis en train de perdre des unités petit à petit. Je suis con. Je peux mettre une source soignante. Toc, on commence par mettre ça. La source soignante. Vous me faites des maisons supplémentaires histoire que je puisse... faire un petit peu mieux. Ensuite, je pose une mine parce que on a plus d'or qui circule dans notre système. Il y a trois nains qui font plus rien. Hop, on va les mettre à la mine. Il y en a qui se touchent la nouille. Arrêtez de vous toucher la nouille. Bien. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose et on devrait pouvoir tenir tranquillement les 7 minutes qui restent. Putain, je suis un trou du cul, j'ai laissé recapturer le truc, quoi. Ça va reset le countdown, je suis sûr, étant donné que là, il a re-reset le truc. Putain, je suis un débile. Ah, je suis clairement un abruti. Et j'ai laissé comme ça, comme une fleur. En fait, moi, j'étais en train de regarder d'autres trucs, et puis, évidemment, il est venu comme une fleur, il allait le récupérer. Oh, le cooldown a été reset. Il restait que 3 minutes. Ah. Bon, bah très bien. On va faire une barrière. Hein. Vous savez quoi? Ces empêcheurs de jouer en rond, là. Bon, allez, c'est les 50-60 dernières secondes. On devrait arriver au bout. Je me fais attaquer par des loups à la maison. Qu'ils arrêtent. Il m'a envoyé un truc là, il m'a envoyé ça et puis ça me fait chier parce que c'est en train de tout casser. Donc bon, de toute façon, je devrais tenir. J'ai une grosse armée de ouf. Il a utilisé tous ses sorts. Je pense que ça devrait aller. Ah, ça m'a niqué tous mes péons par contre. Ah ouais, bon bah j'espère que j'aurai pas d'autres trucs à faire parce que là pour le coup je peux plus trop me relever. Parce que j'ai plus rien. Enfin j'ai plus rien, j'ai plein de ressources mais j'ai plus d'unité quoi. Donc bon, bah, 14 secondes ça devrait aller. En fait c'est tout con, il suffit de lui bloquer les portes, et enfin de lui bloquer avec des murs et l'ordinateur il est perdu, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'était une affaire un petit peu rondement menée, j'ai juste été un peu con. Oula! Des gros sangliers, hein. En plus ils bougent. That's ridiculous. Why, I... Skult! What are you doing here? Thank you for building this door for me, little friends. You have been quite... predictable. Itri, brother,
This was all the work of Loki. He fooled us into fighting each other. He's stolen Freya's gift. We've got to get that boar back. J'adore le type qui se barre en mode Mouah, je suis un méchant. We have entered Loki's mountains, brother Eitri. We must be cautious. There it is! The great golden boar! Loki's minions may defend it, but it belongs to Freya. Come, we'll raise an army and fight to take the beast back. It is said that the gods of Asgard will grant blessings upon any who destroy Loki's temples in these mountains. Is that so? Let's try by leveling that temple over there. Bien. Allons détruire le temple, on va commencer par ça, on va commencer par une petite destruction de biens religieux, hein, parce que c'est toujours drôle. Notre technologie a déjà... Notre civilisation a déjà atteint l'âge mythique et nous disposons de nombreuses technologies. Très bien. Par contre, on a personne pour se balader avec nous. Enfin, il n'y a rien, quoi. On a juste 2-3 péons. De l'or, il y en a là-haut. Très bien. Ah, d'accord. Donc faut que j'aille jusque là-bas, aller taper ces pains enneigés animés, d'accord. Bon bah c'est parti, il va falloir préparer un petit peu une attaque. Donc on va commencer par faire des nains, évidemment. Putain, j'ai rien du tout quoi. Ah. Est-ce que je peux faire un autre char à bœuf? Je peux faire un autre char à bœuf, parce qu'on va en avoir besoin. Je vais mettre le char à bœuf à mi-distance entre la bouffe et le bois, ça va être pas mal. Et les deux autres nains, je vais les envoyer aller miner là-haut et je vais mettre un char à bœuf là-haut. Parce que de toute façon, il me faut plus de nains. Allez, c'est parti. Bon, alors, donc, voilà. J'ai mon 10-10-10 classique. Hein, c'est pas du tout optimisé, mais on s'en fout du moment que ça produit. J'ai fait quelques améliorations. D'ailleurs, faut que je les continue. Un petit peu des améliorations de rapidité. C'est quand même un petit peu mieux. Je commence à faire des unités de combat. Il faudra améliorer un peu tout ça. Voilà, on va commencer à améliorer ça. Parce que sinon, ça va mettre 20 plombes. Je vais mettre 20 plombes à tout faire. Bon, actuellement ça devrait aller, les ressources cools à flot, cool à flot, cools. Alors, si vous écrivez cool avec, avec un S à la fin, non, c'est une faute, donc c'est cool à flot, NT. Ok, donc voilà, en plein cours de grammaire, on va commencer un petit peu à jouer correctement, hein. Il me faudrait des faveurs, donc si les Hercir pouvaient sortir, ça serait cool. Ça me permettrait de faire des lanceurs de hache, enfin des améliorations un petit peu dans tous les sens. Donc, je vais finir le nombre de maisons qu'il me faut. Voilà, c'est bon. On a eu suffisamment de maisons. L'armurerie, elle est bonne. On a la maison communale. Peut-être un fort de la colline. Non, je n'ai pas assez de faveurs, évidemment. Un temple, ça pourrait être une bonne idée. Faire des unités mythiques, parce que c'est toujours un peu pété ces unités mythiques. On va commencer par ça. J'ai 135 de population totale au maximum. Très bien. On peut faire de l'inventerie lourde. Ah la vache, je vais avoir énormément d'améliorations à faire. Je vais avoir vraiment un paquet d'améliorations à faire et un paquet d'unités à produire. Alors, du bois et de l'or. Je n'ai plus beaucoup d'or, donc on va attendre un peu. De toute façon, il me reste 4000 d'or ici. Hop. Ça commence à générer des faveurs un petit peu plus vite. On est bien. On va faire quelques lanceurs. On va faire 5. J'aime bien les paquets de 5. C'est pas du tout optimisé ce que je fais, mais tant pis. Laisse-le tranquille. De toute façon, il était juste là pour scout. Et arrête, reste là, toi.
Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un fort de la colline, au cas où. Au cas où, on peut faire un fort de la colline. Ça peut être pas mal. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. En termes de bâtiments, on doit être bon. Qu'est-ce que je peux faire? Valkyrie, donc les Hersir pour générer des faveurs, évidemment. Les géants du givre et les portées de Fenrir. Alors les portées de Fenrir, c'est cool parce que plus la meute de loups est grande, plus elle est forte. Le truc, c'est que ça prend pas mal d'or et pas mal de faveurs aussi. C'est surtout ça le truc chiant. C'est surtout ça le truc chiant. Donc on va quand même finir tout ça. Putain, je peux encore faire une amélioration d'infanterie. Infanterie championne. Et carrément. Carrément, carrément. Mais peut-être que ça va me niquer un peu trop de. On va commencer par faire un peu de cavalerie avec. Ça, j'ai pas encore assez de faveur pour générer le truc. Ok. Là aussi, il va falloir encore avoir beaucoup de trucs. On améliore ça. Bon, ça commence à avancer. Je vous retrouve une fois que j'ai fait pas mal d'améliorations et que j'ai une petite armée. Et merde, je me fais attaquer. Ok. Ça a l'air d'aller. Ah, et les faveurs se génèrent à donf à partir du moment où on tape sur les adversaires. D'accord. Ok. Much bueno. D'accord, ok. Ça change pas mal de choses. Donc, on va améliorer ça déjà. Ensuite. Ah, la vache, les ajouts, tout ça. Je sais pas trop. Peut-être qu'il faudrait que je commence par faire des unités avant de faire quoi que ce soit. Bon, alors, j'ai quand même fait pas mal d'améliorations. On va commencer à avancer ici. Oula, il y a du monde. En fait, il va peut-être falloir que je refasse des unités, ce qui m'emmerde un peu. J'ai plus d'or, par contre, enfin, j'ai plus de production d'or, ce qui est un peu la merde. Alors déjà, on va voir ce que ça donne ici. Y a des arbres qui bougent. J'ai l'impression de me faire un peu défoncer. J'espère que c'est juste une impression. Donc on va récupérer un deuxième pouvoir, j'aimerais bien trouver des mines d'or du coup. J'aimerais bien trouver des mines d'or, on va aussi refaire des unités. Ok. Pas assez de place de population. Ok. Ça devrait aller, je pense que la population, ça devrait aller. Donc, on va commencer à chercher un peu. On va commencer à chercher un peu. Je vais en profiter aussi pour regarder si j'ai pas des améliorations possibles. Non, évidemment, ça coûte la blinde. Maintenant, c'est tout ce que j'ai comme unité? Oh la vache. J'ai vraiment envie. J'ai limite envie de construire le forum de manière à ce qu'on puisse faire plus d'unités parce que là, c'est clairement un peu la dèche. Ça me fait un peu mal. J'ai vraiment plus rien en fait. Oh bah putain, la vitesse à laquelle ça construit. Évidemment, comme c'est les unités militaires qui peuvent construire, bah ça va vachement vite. Dis-moi qu'il y a de l'or dans le coin, s'il te plaît. Alors. Ah ah! Il y a quelque chose ici. Putain. Je sais pas si ça va tenir. Parce que je suis un peu loin avec ma troupe principale. Ouais, allez, on va dire que ça va tenir. D'accord, flammes enflammées. Bon, là il y a une relique, mais tant pis. On peut pas passer par là de toute façon. Enfin, on va pas passer par là. Réparez-moi ça, s'il vous plaît.
va me refalloir des unités encore. Oh la vache. Ça fait un peu mal. Et surtout, il n'y a pas d'or. Peut-être par ici. Je vais les envoyer regarder un peu ce qu'il y a par là. Ah. Je vous ai vu. Bon, je crois que je vous aurai pas. Ils sont nombreux par contre. Ils sont un peu nombreux, on va essayer de les ramener. Oh la vache, je me déplace mais... d'une lenteur. Ils sont en train de me défoncer mes unités, c'est pas cool. Bon, ça s'est à peu près plutôt bien passé, on va dire ça. Non, c'était pas terrible quand même. C'était clairement pas terrible, surtout que j'ai plus du tout d'or. Et ça commence à me les briser sévère. Ah, bah voilà. 3000 d'or, bon. On va voir. En tout cas, on va commencer à accélérer un petit peu cette histoire, parce qu'on peut pas passer par là, ou alors il faudrait le pouvoir pour ratiboiser tout ça. On va passer par la gauche. Bien. Alors. Je sens qu'il va falloir passer par là. Bon, on va détruire ça. Ça sera assez rapide. J'ai même pas besoin d'utiliser le sort, je pense. Allez, hop, premier passage. Ok. Voilà, donc là je vais être limité en termes de population. Je préfère être limité en termes de population qu'autre chose quand même. On va juste passer avant que on reste bloqué. Oh. Oula, 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 oula. Putain, va falloir que j'y suive. Reste en vie, toi. Reste en vie, ma baliste. Eh ben non, elle est plus en vie. Bon, on va les défoncer, eux. Et je vais essayer de m'arranger pour défoncer la source aussi, parce que là, c'est un petit peu le bordel. Ils arrêtent pas de m'attaquer, c'est relou. On va voir si on peut pas faire quelque chose à ce propos. C'est juste méga chiant, en fait. Ok, les améliorations, c'est cool. Je vais faire deux balistes aussi. Alors, attendez. On va essayer de se regrouper un peu, parce que là, c'est le bordel. Tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde en fait qu'à sa tête. Retrouvez-moi ici. Voilà. Ça. Là, c'est le moment un peu compliqué. C'est là où je pense que ça devient intéressant de mettre les armes enflammées. On va défoncer ça, on va défoncer en fait tous les bâtiments militaires. What? On va aller vite. Ils sont combien de bâtiments militaires là? Oh la vache, ouh que ça défonce vite ça. Et je m'attendais pas à autant. Ils ont déjà fini. Ah, le feu de forêt. Donc le feu de forêt, on va peut-être essayer de passer par là, mais...
serait pas inter... Oula, oula, oula. On va se casser, on va se casser. Donc on va aller ici, on va foutre le feu de forêt. Normalement, ça devrait être le passage. Ça m'a l'air d'être assez... assez obvious. Et de ce côté-là... J'augmenter les forums, ça me permettra d'augmenter le nombre d'unités que je peux utiliser. Hop, des Huskarl champion. Oh bah tiens, coucou. Il y avait une mine ici, putain, je suis con. Allez, feu de forêt. Détruisez-moi ça. Que je puisse passer. Hop, un petit peu de pyromanie. Ouais, quoi. Oh, ça va, vous êtes tellement nombreux, vous devriez commencer à arriver à commencer à gérer. Bon. Alors, maintenant que cette forêt, elle est... Bon, pas fini, mais en tout cas, elle a été... Quoi, c'est pas fini? C'était juste une ressource de bois, mais je l'ai dans... Ah! Bon. Dans le jargon, c'est ce qui s'appelle faire de la merde. Mais de la bonne en plus. De la bonne merde. Bon, du coup, ce que je vous propose, on va récupérer tout ça et puis moi je vais aller attaquer leur camp hein, parce que de toute façon, pas le choix là. Il faut faire quelque chose. Bon, voilà, on va pouvoir enfin les réattaquer. J'espère que c'est par là parce que sinon ça va vite me saouler. Donc. On va commencer par le forum, parce que de toute façon, pas trop le choix. Bien. Voilà. Ok, donc là, il tue aussi les villageois. Comme ça, au moins, ça va faire moins de ressources. Allez, dites-moi que ça passe. Récupérer le feu de forêt, mais c'est pas exactement ça que je voulais en fait. C'est un peu le bordel et ça avance pas des masses. Je suis juste en train de me faire pourrir la gueule. Bon, ça veut dire refaire des unités. Alors où est-ce que ça en est là? Putain, mais je fais surtout que les unités en fait, c'est un peu chiant. C'est impossible de passer cette histoire. Ils ont beaucoup trop de ressources. Ah. Bon, c'est le bordel. C'est carrément le bordel. Bon bah voilà, on va devoir reculer. Oula. On va devoir reculer parce que de toute façon j'ai plus du tout une seule unité. Ah. Je vais le buter lui parce que sinon il va me refaire une maison à la con. Putain, mais ils sont en train de tout reconstruire quoi. Oh non, mais c'est infernal. Mais c'est quoi tout ça? Ça sort d'où? Mais par où je suis censé passer si c'est impossible de passer par ici? Je peux passer. Je viens de réfléchir, mais je dois pouvoir passer par là, en fait. Je dois pouvoir passer par là. Putain, c'est le bordel! Bon, bah, vous savez quoi? Bah, on va faire ça, hein.
Bon, bah après vérification, en fait, on est vraiment juste obligé de passer par là, mais c'est super dur! C'est incroyablement dur! En plus, j'ai perdu tous mes péons, je suis obligé de tous les refaire là, et c'est chiant! Oh la vache! Bon, alors, comment on va se démerder? Dans tous les cas, faut qu'on passe, on n'a pas le choix, hein! On a carrément pas le choix. Faut que je refasse des unités encore. Et que je retente un putsch, sachant qu'ils ont tout reconstruit, cette bande de putes. Ah, la vache. Pourquoi on est obligé de passer par là? C'est vraiment dur et ça a pas vraiment de sens. Bon, j'ai récupéré une mine d'or, on est bien, mais quand même, quoi, quand même. Ouais, hop, on va faire ça. Bon, là, je devrais pouvoir réattaquer dans pas longtemps. Ça reste un peu chiant. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent rien. Allez, hop, on va les mettre ailleurs. Toi, tu fous pas grand-chose non plus. Allez, hop. Ouais. Bah, va ici. C'est relou. C'est particulièrement relou, je dois vous avouer. Parce que c'est la je ne sais combien tième attaque que je fais. Hop, on va mettre ça. Et il me réattaque encore une fois. Mais combien de fois ils m'attaqueront, cette bande de salopards? C'est débile. Allez, on va pouvoir attaquer derrière ça. Je devrais avoir un petit moment où je suis à peu près tranquille. J'espère. Parce que j'en ai un peu marre. Allez, là, ça a intérêt à passer. Parce que là, c'est la fin des haricots. Mais incroyable. Incroyable, je vous dis. Putain, mais c'est absolu. Comment je suis censé passer ça, en fait? Amener Brock et Etri au grand sanglier de guerre métallique. Mais sachant que, là-haut, il y a encore plein de gardes. Oh la vache. Ils m'ont encore tout niqué. J'y arrive pas. C'est vraiment j'y arrive pas. Ou alors est-ce qu'on va pas rusher? Tant pis. Et puis voilà, on chante le truc. On va chanter le truc. Allez hop, on va chanter le truc. Alors par contre, va falloir vous bouger le cul. Dans le sens où va falloir avancer. À la limite, tant pis si j'ai plus les balises, quoi. Allez hop. Je sais pas à quoi ça sert ça, mais on va le péter. J'espère que c'est par là, parce que sinon je vois pas où est-ce que ça peut être. On va refaire des unités ici. Arrêtez, allez me casser ça. J'espère que c'est vraiment par là, hein, parce que sinon je vois pas où est-ce qu'on peut passer, ce qui est très emmerdant en fait.
Putain que c'est chiant. Oh là là, en plus moi ça fait bientôt 2 heures que j'enregistre. Et des parties de 2 heures de ça, ça commence à me les briser sévère. Ah. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose là? Est-ce que j'ai bien RT et machin? Je les ai pas! Évidemment, ils sont morts comme des cons! Ah la vache! Faut que j'aille le chercher lui. Bon, au moins on aura la route libre ici. Ah, attendez, on va voir un truc. On va faire un truc. Oula, arrêtez de danser, vous les machins. Allez hop, ok. Ah la vache. Est-ce que ça se propage au... Là, normalement, ça devrait détruire les bâtiments. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On va essayer de faire un truc. Je vais essayer de les balader par ici. Et là, on va essayer de s'avancer. Parce que tant pis. Oh la vache, je peux pas, hein. C'est vraiment super dur. Ok, donc là on va y arriver. Ok, un nain de récupéré. On va aller sauver notre forum avant qu'il se fasse défoncer comme de la merde. Et ensuite on va aller chercher l'autre nain. Putain, heureusement qu'ils sont... Maison idiot, quoi. C'est gris de maison idiot. Alors. Ok. Ok. On va avancer avec ça. On va chercher le deuxième nain qui est à l'autre bout. Il est là. Et on va aller. On va filer après. Après, on se tire. En tout cas, je prends les deux nains. Et j'avance. Parce que la route est ouverte. Il faut avancer. On récupère ce nain. Ah la vache. Évidemment, il y avait un comité d'accueil, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Ensuite, défoncez-moi ce mur. Alors, un nain. On l'envoie là-haut. Il est où le deuxième nain? On se casse au pire. Les deux nains, on les envoie là-haut. On défonce une unité au passage. Mais on cherche pas plus, on cherche pas plus, on avance. Ou à la limite, on tue ça pour pouvoir passer plus vite. Et on se casse, on va là-haut. Pas le temps de niaiser. Putain, en fait, c'est pas si compliqué, mais il fallait comprendre qu'il fallait passer au travers et pas essayer de les défoncer, parce qu'ils sont beaucoup trop forts, en fait. Ils arrêtent pas de repopper à une vitesse qui est clairement trop rapide par rapport à nous. Du coup, tant pis, hein. Tant pis. Ah, ils ont tué Skuld aussi, d'accord. Ils ont tué Loki, c'est pas grave. Ce n'était que un dieu. Ah, bordel de saloperie de... Voilà. Je commence à être un petit peu énervé. C'est juste que ça fait un bout de temps que je traîne sur cette mission qui m'énerve parce que je comprends pas trop. D'habitude, les missions, ça va assez vite. Mais alors, celle-là, mon dieu... Bien. Ouais, au pire, allez hop, reculez. Ah, c'est bon. And so Brock and Eitri recovered their magnificent beast and offered it to Freyr, who was quite pleased with the brother's invention. Loki, the trickster, was beaten. Years later, the dwarves would cross his path again. That's a tale for another day.
C'est tout? What? Ok, bon bah voilà. C'était la deuxième campagne. Ah bah ok, bah ça allait vite en fait. C'était pour ça que c'était si difficile. Ah, d'accord. Bon bah voilà, c'était le retour sur, sur Age of Mythology Extended Edition. Bah ça va me permettre d'enquiller assez rapidement sur un nouveau jeu qui est très très cool, j'ai beaucoup aimé y jouer là comme ça, donc j'ai vraiment hâte de vous le faire en let's play, ça sera plus un playthrough qu'un let's play, parce que pour le coup on va aller vraiment, on va avancer dans le jeu, on va faire l'histoire, ça sera sur, bon petit spoil, ça sera sur XCOM The Bureau Declassified, qui est vraiment un jeu super cool. Mais ça sera la semaine prochaine. Donc du coup, je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode. Il y aura peut-être une vidéo entre-temps, je ne sais pas. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien et à une prochaine fois. Salut à tous !